Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo de participation à un concours. Donc c'est le concours de Muriel Scrap. Donc bien entendu, quand vous recevrez cette vidéo, Muriel aura déjà reçu mon envoi. Et donc c'était pour juste vous faire participer à ce que j'ai fabriqué au niveau des créations. Et puis voilà, de vous montrer un petit peu ce que j'aurais créé pour elle. Donc, elle avait fait un concours pour ses 10 000 abonnés. Et franchement, félicitations. Et je suis très contente de participer à ce concours. Alors, j'ai donc la carte que je suis en train de chercher en même temps. Elle est là, devant moi. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas. Moi, ça va. Alors, effectivement, la carte, elle est là. Donc voici la carte qu'elle a reçue. Voilà, j'espère que ça t'aura bien plu. Elle est toute simple, mais je trouvais joliment colorée. Je ne voulais pas en rajouter plus. Je trouvais que c'était très sympa comme ça. Et donc, bien sûr, je t'aurais écrit un petit mot pour toi à l'intérieur. Et voilà. Moi, je suis contente de ma carte. Je trouve qu'elle est très jolie. Très printanière, très colorée. Donc voilà, du coup, ça fait du bien de faire ces petites choses. Personnellement, j'ai bien aimé la créer pour toi, en pensant à toi. Donc j'ai cranté hein, sur le bord ici. J'ai cranté ici, j'ai mis un fond de feutrine. Et je suis venue faire une petite découpe ici, où j'ai marqué moi-même. J'aime bien des fois faire aussi mes petites étiquettes comme ça. Et voilà, donc je m'applique pour bien écrire. Donc là, ça brillait un peu et les papillons. Et tout autour, je suis venue donc coller des petites fleurs. Voilà, des petites fleurs qui sont très jolies aussi qu'on avait eues chez Action. Voilà, moi je trouvais que cette carte était pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie, non? Elle nous évoque le printemps, le soleil, les couleurs. On a besoin de couleurs dans cette période, hein, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je lui ai fabriqué deux badges. Donc, que je vous laisserai découvrir sur sa chaîne, puisque il y en a peut-être qui l'auront déjà vu. Et du coup, j'ai mis dans une petite boîte comme ça deux badges que je vous laisse le soin d'aller découvrir. J'ai mis du washi un peu genre papier cadeau pour un petit peu fermer les petits contours. Et donc, à l'intérieur, elle va trouver deux badges que je vous laisse découvrir sur sa chaîne. Voilà pour ça. Ensuite, je lui ai fait. Alors, comme en ce moment, c'est à fond dans l'APC Y, du coup, je lui ai fait une APC Y. Là aussi, je vous laisse découvrir. Elle va le décrire sur sa chaîne. Donc là, elle va trouver une mini tablette de chocolat qu'elle a peut-être déjà dû déguster avec son café parce que Muriel est très, très, très gourmande. Elle le dit tout le temps. Je rigole, hein, Muriel. Et donc derrière, j'ai marqué APC numéro 5. C'est là, donc c'est gourmandise. J'ai mis mes coordonnées avec mes petits renseignements. Et j'ai écrit, eh ben, je vous laisse découvrir ce qui est décrit derrière, parce que Muriel va sûrement le dire. Voilà. Donc je vous laisse aller voir sa chaîne. Bien sûr que je mettrai en bas dans la description de cette vidéo. Je lui ai également fait une petite création, donc elle voulait une carte, enfin elle voulait une création de notre main, donc du coup je lui ai fait ceci, donc un petit peu dans les tons vintage, voilà. Donc je suis venue prendre de la récup, je travaille beaucoup avec de la récup en ce moment, donc c'est à la base ce sont des petites cartonnettes de cette dimension-là, donc c'est pas très grand, hein, c'est à peine un A5 divisé par deux, voilà, sur la hauteur. Et donc du coup sur la largeur. Donc je suis venue ici mettre une toile de jute qu'on avait trouvée chez Noz et en fait avec des jolies dentelles sur le côté. Je trouvais que ça s'accordait bien avec ce papier. Voilà donc le devant et l'arrière. Et sur le côté j'ai mis un petit washi comme ça ici. Voilà une petite bande de washi un peu dans les rouges pailletés ou roses pailletées, je ne sais pas trop. Voilà donc du coup. Et je voulais ici, j'ai laissé exprès, je ne voulais pas faire un autre style comme ça ou comme ça. J'avais peur que ça soit
trop chargé, donc j'ai laissé comme ça. Libre à toi si tu veux customiser un peu plus ou pas, on verra quoi. Voilà, donc à toi de faire. Donc à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette ici avec une perforatrice de bordure. Donc j'adore cette perforatrice et je suis venue lui mettre une petite cartonnette ici que tu pourras glisser ce que tu veux, soit écrire quelque chose, donc en papier craft, hein. Et donc voilà, la petite bordure, elle est comme ceci. Et du coup, voilà, je te laisserai découvrir ça donc toi-même pour voilà. Est-ce que j'ai fait tomber quelque chose? Non, pour l'instant, non. Ensuite, donc sur le côté, je vais un petit peu pencher mon téléphone. Voilà, comme ceci. Ça va mieux voir. Ici, j'ai fait aussi également en ce moment, j'ai fait donc un type un peu comme du folio en fait, hein. Donc au milieu ici, on peut voir, j'ai fait une perfo de bordure avec, j'ai remis un washi brillant comme j'avais mis sur la couverture. Voilà. Donc là, pareil, au bord ici, j'ai fait la perforation. Je trouvais très joli. Et enfin voilà, je trouve ça très joli personnellement. Et j'espère bien surtout que ça te plaira. Voilà, donc ici, je suis venue te mettre une autre petite bande ici. Voilà, de washi. Pour un petit peu faire placer un peu cette couleur craft. Donc ça peut être très sympa. Et là, je t'ai mis donc des washi un peu de Noël sur cette page-là. Ici, c'est une pochette. Voilà. Donc, j'ai fait avec la récup et du papier craft et j'ai voulu utiliser tous les papiers craft. Donc, ici, je t'ai fait une pochette en travers comme ça. Donc, un peu façon chemise. Hein. Et ici, tu as une petite languette où tu peux retirer ce petit morceau sur lequel tu pourras toujours mettre quelque chose. Voilà. Je ne savais pas si je te le décorais ou pas, mais du coup j'ai décidé de laisser comme ça et de te laisser toi-même le décorer à ta guise. Voilà, donc du coup, et à l'intérieur, je t'ai mis donc un petit livret comme ceci. Donc comme ce morceau-là, il me manquait un petit morceau ici au bout quand j'ai plié cette partie-là qui me restait. En fait, ça c'est la longueur. 29,7, d'accord, donc je l'ai plié à parts égales, et ici il me manquait juste cette partie-là. Là ici j'ai mis un tout petit peu plus, donc il me restait ces chutes de papier de la découpe de la couverture, du coup je l'ai mis comme ça. Voilà, donc ça peut être très très sympa. Qu'est-ce que vous en dites, c'est pas mal, non? Donc là c'est le petit livret, voilà, c'est tout simple, hein, mais encore fallait-il le matérialiser. Alors je le remets là, celui-ci. Donc celui-ci, il est ici dans la petite chemise, on va dire comme ça. Et donc ici, tu as la petite tirette ici. Et là, tu en as une autre où je suis venue mettre ici, chaque fois, pour matérialiser. Voilà, où dessus, pareil, tu as une bande de craft et où tu peux mettre quelque chose. Voilà, tu peux y dessus, on peut y mettre quelque chose. Alors, je ne savais pas si j'allais t'écrire quelque chose ou pas. Comme je n'ai pas encore tout à fait emballé, peut-être. Que oui, peut-être que non. Donc on verra à l'ouverture de ton truc. Voilà, de ton envoi. Donc ça, pareil, je l'ai mis comme ça et je vais le laisser comme ça dessus. Comme ça, on le voit bien quand même et on voit qu'il y a quelque chose à tirer ici. Voilà. Ensuite, donc toujours pareil, je suis venue. Les pages sont un petit peu épaisses puisque j'y ai mis des extensions, hein, forcément. Donc du coup, voici. De ce côté-là, je t'ai fait comme un petit carnet en fait. Voilà, un petit carnet comme ça, tu peux ouvrir comme ceci. Voilà. Et comment j'avais mis ça? Comme ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. Donc ça s'ouvrait comme ça, comme un livre. Voilà. C'est le premier qui s'ouvrait comme un. Donc il y a quand même plusieurs espaces photos. Donc c'est pas si mal que ça, moi je trouve. Et après, donc ici, je ne sais plus si je t'ai mis de l'embellissement. Je me suis dit, voilà, j'ai mis un petit washi ici que tu pourras enlever ou pas si tu le souhaites pas. Et ici, je t'en ai mis un autre et je trouvais que ça coupait pas mal le craft. Ça permet de voir les espaces et puis de bien œuvrer comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est comme un petit folio un petit peu. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est petit, c'est pas mal. Moi, je trouve, ça permet de, voilà, ça fait comme un petit carnet. Bah, tu y inscriras ce que tu veux à l'intérieur. En tout cas, moi, j'étais contente de faire ça pour toi. Voilà, petite création.
Et voilà, c'est la fin de mon petit envoi, ma petite vidéo pour la participation à Muriel. Voilà, donc je souhaite bonne chance à tout le monde. Je pense que le tirage au sort aura eu lieu peut-être quand ma vidéo paraîtra. En tout cas, dès qu'elle aura reçu mon envoi, que j'ai vu sa vidéo, je mettrai la mienne. Et peut-être que le tirage au sort ne sera pas encore effectué. Et puis, bonne chance à tous. Et puis, je dirais pas que le meilleur gagne, hein, parce qu'il n'y a pas de meilleur en fin de compte. Je pense que tout le monde fait des super créas. On est différents. On a chacun notre petite touche personnelle et tout. Mais voilà, du coup, j'étais vraiment très contente de participer à ton concours, Muriel. Et j'espère qu'un jour, tu participeras à un des miens. Ça me ferait très, très plaisir. Ou autre chose, voilà, ce qui te plaira. Et puis, n'hésite pas, un échange, je sais pas. Voilà, ce que tu voudras. Et puis, je reste ouverte à des défis, à des propositions, à tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Dans la mesure où c'est faisable pour moi, bien sûr. Voilà, en tout cas, je t'envoie tout plein de Zoubiscrap, toutes mes amitiés, vraiment. J'aime beaucoup la personne que tu es également. Et voilà, je trouve qu'on a un beau partage et ça fait du bien. Et voilà, donc j'espère continuer longtemps à tes côtés. Voilà, je te fais tout plein de Zoubiscrap, ainsi qu'à vous tous. Je vous remercie énormément de votre attention lors de cette vidéo, de tous vos commentaires, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements également. Je souhaite la bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela me fait super plaisir, vraiment super plaisir, parce que voilà, plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est surtout que j'aime partager et j'ai envie vraiment de m'éclater là-dedans et j'espère vous transmettre le bonheur que j'ai à faire des choses malgré tous mes problèmes et en fait voilà de malgré toutes mes difficultés et montrer encore que je peux encore faire des choses et que c'est pas trop moche ce que je fais, je pense. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce que je crée, donc écoutez, voilà, pourvu que ça dure, voilà, c'est surtout ça, parce que je deviens vraiment passionnée et ça me plaît énormément. Voilà, excuse-moi Muriel, j'ai un petit peu fait du blabla encore, mais tu sais qu'Odile et son blabla, voilà, ça commence à être connu, mais voilà, du coup, je te fais plein de zoubiscrap ainsi qu'à vous tous, et à vous toutes, et puis quel plaisir de vous retrouver, à très bientôt, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Parce que moi, c'est la fin de journée à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais aussi une bonne journée et tout le toin-toin et que vous connaissez et blablabla et blablabla. Je vous dis au revoir et à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Bye bye!